Johnny fait The Voice suite, et Sophia et Saïdi ont porté la même tenue ce samedi soir à la télé, voici son prix. Johnny fait et Sophia et Saïdi avaient ce samedi 6 avril 2019, opté pour le même look. Si la première était aux commandes dans The Voice suite sur TF1, la seconde a signé une apparition dans l'émission diffusée pour les 40 ans de Starmania sur France. De quoi faire réagir la toile face à ce surprenant choix simultané. Il faut croire que les deux plus jolies brunes issues de la Star Academy ont les mêmes goûts. Ce samedi 6 avril 2019, Johnny Fay et Sophia et Saïdi sont apparus en simultané, à l'écran avec le même look. Johnny Fay était en direct sur TF1 pour la première soirée des combats K.O. où les candidats sauvés lors des auditions à l'aveugle passaient seuls sur scène pour défendre leur place. En même temps, Sophia et Saïdi apparaissaient à l'écran sur France 2 dans l'émission Les 40 ans de Starmania, programme organisé pour le site Action. Comme toujours, les tenues de Johnny Fay dans The Voice font grand bruit et les internautes sont toujours partants pour analyser ses looks le plus souvent audacieux et sexy. Hier soir pour la première soirée de direct de la 8e saison de The Voice. Johnny Fay est apparu dans un total look du créateur anglais David Koma composé d'un top noir et argenté à 640 signes noms et un pantalon flare noir avec bande latérale argentée et orné de sequins à 995 signes noms, soit. De son côté, Sophia et Saïdi sur France 2 n'avaient choisi de ne porter que le haut à 640 signes noms et a pris soin de l'associer à un pantalon noir légèrement taille haute et une veste de blazer noir. Comme nous vous l'avons expliqué, l'émission The Voice était en direct. Mais ce n'était pas le cas de l'émission Starmania diffusée sur France 2 qui avait été enregistrée la veille, vendredi 5 avril 2019. De ce fait, Johnny Fay a également pu participer à cette émission et ce qui veut dire que c'est Sophia qui a porté la tenue en premier. Sur France 2, Johnny Fay était en revanche plus sublime que jamais en jolie petite robe python jaune fluo.